Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour deux nouvelles astuces en mode histoire de GTA V. Donc, enfin, de trois même. Donc, déjà, la première est quand vous allez sur la tour, je crois qu'elle s'appelle la IEE, juste à côté de la tour du FIB. C'est la tour voisine, elles sont exactement pareilles. Vous allez sur ce côté-là, vous serez en face de la tour IEE ou IA, je sais plus trop, et vous pourrez casser. Ici, on voit trois fenêtres que l'on peut casser avec le busard d'attaque. Bon, ça sert pas vraiment à grand chose de les casser parce qu'au final, c'est pour pouvoir rentrer dans l'immeuble. Et pour pouvoir rentrer dans l'immeuble, il va vous falloir sauter de l'hélicoptère. Et avec un parachute, bien sûr. Bref, on s'en fiche de ma chute. Il vous faudra atterrir dans la fenêtre qui justement ne se casse pas. Deuxième, vous allez devoir faire deux codes. Le code de super saut. Puis après, il vous faudra aussi le code du buzzard d'attaque. Vous allez voir pourquoi. Après ce petit fail, encore une fois. Là, voilà. Et voilà comment on peut sortir de la carte de GTA V en mode histoire. Donc après, pour aller sous la map, il vous faudra simplement le buzzard que vous ferez atterrir sur votre garage. Et pas comme moi. Donc je vous montre ça. Fail! Bon. On recommence. Cette fois-ci sur le garage. Voilà. Ouais, ça m'arrive souvent de faire des conneries. Un peu trop même. Maintenant, vous montez dans votre hélico, vous passez du côté où il n'y a rien. Et vous pourrez directement aller sous la map de GTA V et l'explorer entièrement. Donc ce glitch il est pas mal déjà parce qu'il est fun, mais aussi parce que vous pourrez ensuite déjà vous pouvez tuer. Oui, j'ai remarqué qu'on pouvait interagir par rapport au-dessus de la carte. En fait, tout ce que vous tirez, enfin vous pourrez les faire pas les passer, vous pourrez les faire passer en dessous de la route. En gros, si vous avez un joueur au-dessus de votre tête, vous pouvez l'allumer autant que vous voulez. Bon, le problème c'est que on est dans le mode histoire et pas en ligne. Bref, ce qui est bien avec ça, c'est pour les secrets de GTA 5. Donc comme quoi il y aurait des couloirs sous le mont Chiliad. Donc avec ce glitch là, si vous arrivez à aller jusque là-bas, moi j'y suis pas arrivé, vous pourrez voir s'il y a ou non des couloirs. J'ai vu sur une vidéo qu'il y en avait. Donc voilà, on passe. Et voilà le fameux tracteur vraiment très dégueulasse qui fait un bruit génial de GTA V. Donc j'ai oublié de vous montrer où il était placé exactement sur la carte. J'espère que vous reconnaîtrez l'endroit. Je crois que c'était vers la droite, là où il y a des îles au niveau de la mer. Quand vous arriverez, vous verrez de toute façon le phare qui est là. Vous avez qu'à prendre l'hélico bizarre d'attaque et vous le trouverez rapidement. Donc voilà, je sais pas si on peut l'emmener au Los Santos Cruz, ça va être pas mal je pense. Donc moi je vais vous laisser sur ça. Donc ciao tout le monde. Let's go.